Repartir, un film réclame de Noé Pequeux. Comment commencer, se lancer, s'en aller régner ailleurs, tirant notre innocence, inspirer, désespérer et en d'autres moments désirer et étreindre, repartir heureux, laisser la piste. Voyez la jeunesse voyager, entre-temps lancinante mémoire, tiroir, année, la jeunesse passée, les pages, mieux en plein rêve. Qu'importe alors que le lecteur ne vienne à manquer, plaisir de commencer, recommencer, le pire étant le désert et le temps. Qu'est-ce qu'un livre ? Linceul, rêve, île, lire, voir et voyager, deux pages dépliées, les paroles dispersées en zones attractives, en blocs et lignes, les entretoises, les blancs, le vide. Amener les mots retors à leur propre liberté et force, les faire obéir et sonner, et aimer maintenant ainsi cette parole se séparant de l'ordinaire. Il m'appartient d'avoir annexé à l'art d'écrire l'idée de mode auparavant réservée au domaine sonore et d'avoir généralisé la rime à l'ensemble des phonèmes déposés dans le livre. Bien peu en somme, je n'ose dire en vain, ah vanité de faire des livres, d'en écrire, auteur, encore un. À quoi un écrivain, ce seigneur, ne serait-il pas vain, presque saint homme, mais qu'importe. Mes rêves passent et personne ne me voit, dormir transi de froid en vérité, enfin se réveiller tôt matin entortillé dans ses draps, râler dans le désert, vallée remplie d'échos, de paroles vacantes, retard, hommage à ma joie. Entend les éclaireurs sans espoir, passent encore, moi-même, mais trop tard. J'essaye, étant innocent, le reste je l'ignore, partir, tracer cette petite ligne à travers l'Auvergne fantôme et le massif central, amas d'époque comme aspiré, disparaissant et réapparaissant, être et aller à travers des variétés et des lieux, repartir heureux, laisser la piste, un pèlerin sans idéal, pas sans désir, comme un livre que je feuillette. Le voyage veut agiter en moi un vent fort. Improbable voyage cela, quelle joie aspire à passer seul comme un rêve premier. Le personnage principal était le lieu, la zone d'indicible, le paysage bleuté, le ciel. Qu'attendre encore de toi ? Un thème de ma monodie intérieure ne cesse, m'en aller ailleurs, arrêter le temps. Loger dans les bras les recoins de ce paysage, un beau silence se pose, aller installer la tente à l'instant et rester là seul à terre, un peu comme un point immobile, un bloc. Être ce désespoir d'ailleurs et de hors zone, il n'y a pas à sortir de là, digérer, rédiger, trier, écoper, rien qu'un poète. Perspective partielle, captée, révélée, recueillie, écrire, c'est repartir. Dit de quel côté l'espoir. Je connais un pays étranger, silencieux, ensorcelé, la campagne inquiétante accueille. Voici de ses secrets ce calepin aux pages volantes et variantes d'un même voyage. Enfin, l'analyse infinie s'enlise, la laisser là. Un livre se rend dès qu'il est prêt, qu'il peut créer, et l'art d'écrire reste à inventer. Rien qu'un livre, ceci, et quel travail. Terrible librairie. Ceci ralentira le temps. Ceci ralentira le temps. Ceci ralentira le temps. Ceci ralentira le temps. Repartir est un livre de Nicolas Lucien qui s'obstine à paraître en 35 exemplaires.